J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Oui, nous sommes 10h08, ça va. Je pensais qu'il était plus tard. La tisane, elle est trop bonne. Avec le gingembre, ça ajoute vraiment un plus. Je me suis rendu compte que je travaille mieux quand je suis au salon que quand je suis dans ma chambre. Quand je suis dans ma chambre, sous le lit, c'est vrai que je travaille, mais je me fatigue un peu rapidement. Même si je force, mais je me fatigue plus rapidement. Alors quand je suis ici, je pense que c'est la position. Le fait d'être assise, ben, dans la chambre aussi, je suis assise, je suis à demi-assise, on va dire. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est mieux de travailler au salon. Donc maintenant, je me suis dit... Je vais venir travailler au salon. Ne fais pas attention à ma tête. J'ai posé un masque. Et qui m'a vraiment... Pendant que je le posais, en tout cas, je sentais que les cheveux étaient en train de glisser. Ça a bien démêlé mes cheveux. Vous aurez la vidéo bientôt. Surtout que maintenant, j'ai repris avec les vidéos capillaires. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Je ne vous ai pas donné l'heure. Je ne vous ai même pas dit. Je vous ai dit que nous étions. Je vous ai dit que nous sommes mercredi. Je ne vous ai pas donné la date, mercredi 24 janvier, il est 10h10, je pense que je vous ai donné l'heure, je ne sais plus, bref. Donc je prends mon petit déjeuner, j'ai déjà rangé les chambres, tout et tout. Je prends le petit déjeuner et ensuite je vais faire du montage. Je ne suis pas, pourtant j'avais pris de l'avance entre temps. Et après, en fait, quand j'ai de l'avance dans ma tête, je me dis, oh, j'ai de l'avance tant que je peux... Je peux un peu me reposer, je peux arrêter, même si je tourne pratiquement tous les jours, mais le montage, je me dis, je peux le faire un peu plus tard, je peux le faire un peu plus tard, et un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard, ben, après, bref. Donc là, je vais manger, faire le montage de ce soir, si possible, commencer le montage de demain, si possible. Entre temps, je mange d'abord, parce que j'ai la dalle, mais j'ai vraiment la dalle, quoi. Je pense que je vais suivre. Je sais pas. Attendez. De beauté. Alors on a fait venir un mannequin, une mannequin Cindy. Voilà. À table avec Amabel. C'est ça que je vais suivre. C'est ça que je vais suivre de EMCI. Ça passe sur EMCI. Ça passe. EMCI, c'est une chaîne de Canal 7. Oui, c'est ça. Canal Plus. Canal Plus. Canal 7. Canal... Bref. C'est une chaîne de télé, mais ils ont aussi une chaîne YouTube. Donc, je vais suivre ça à table avec Annabelle. Comment te sentir belle et sûre de toi? Ça, ça me parle parce que 2024, je me suis dit que je devais prendre un peu plus soin de moi. Un peu plus. Je devais un peu plus m'occuper de moi. Je passe trop de temps à m'occuper des autres. C'est vrai, ça, c'est un problème pratiquement de toutes les femmes. Les femmes qui ont des enfants, qui sont mariées. Même si tu n'es pas marié, dès lors que tu as des enfants, ou même si tu n'as pas d'enfants et que tu es marié, ben, tu t'occupes plus de l'autre que de toi, quoi. Et je me rends compte que je ne cesse de penser aux autres et moi, je passe toujours au second plan. Sincèrement, pour tout, mais pour tout, je pense toujours aux autres. Pour tout, pour le manger, je pense aux autres. Pour l'habillement, je pense aux autres. Bref, pour tout, je pense toujours au bonheur des autres avant de penser à moi. Et cette année, je me suis dit, je vais peut-être pas me mettre en tête de liste, c'est pas possible. Les mamans comprendront. Mais je pense que je vais quand même maintenant un peu plus prendre soin de moi. J'ai commencé à prendre un peu plus soin de ma peau, même si avant je le faisais, mais là, entre temps, j'avais laissé tomber et là, j'ai repris. Les cheveux aussi, j'en prends un peu plus soin et au fur et à mesure, on va voir ce que ça va donner tout au long de l'année. On espère tenir le cap, surtout. Commencer, c'est bien, mais après, c'est continuer quoi, dans la durée. Et ça, c'est un vrai challenge pour moi, c'est un vrai défi pour moi. Sincèrement, je pense que c'est l'un de mes plus grands défis de cette année. M'occuper de moi, penser à moi. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Je t'ai pas dit ce que je mange, mais tu as vu, les cornflakes, les cornflakes, les fruslis, c'est trop bon, mais c'est trop bon, sincèrement, c'est trop bon. Bon, fais pas attention à ma tête. J'ai pas encore terminé le montage, j'ai nettoyé mes cheveux. Et là, j'ai faim. J'ai faim, donc j'ai d'abord laissé le montage. Je savais pas que le montage allait me prendre
autant de temps. J'ai faim, je dois manger. Je sais même pas si je pourrais faire deux montages aujourd'hui. Voilà. Un demi peut-être. Là, je l'ai pris. Je prends les bas. J'ai dit ne tombez pas. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Thank you.
11h46. Est-ce que vous m'entendez? Je m'excuse. 15h46, je disais. Et point météo, il fait très chaud. Très, très chaud. Vous savez comment je suis? Je suis en train de transpirer, mais à grosse goutte, quoi. Là, c'est parti pour aller récupérer. Ben, sincèrement, il n'a qu'à grandir. I'm tired. Bon, je vous reprends le lendemain. Hier, je n'ai pas pu clôturer le vlog parce que nous sommes rentrés, fatigués comme d'habitude, m'occuper de ma famille, profiter un peu, bref. Et ce matin, je n'ai pas continué le vlog parce que ce matin, j'ai pas vlogué. J'ai juste tourné une vidéo, la vidéo que vous avez vue hier, je pense, ou je sais pas, la vidéo dans laquelle je vous parle du décès plutôt de la créatrice de contenu Leslina. Ça m'a tellement touchée que j'ai pas eu la force de vlogger aujourd'hui. Voilà, donc je vous ai juste tourné cette petite vidéo, j'avais envie de dire ce que j'avais sur le cœur, quoi. Bref. Donc là, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je n'avais pas clôturé le vlog. Donc c'est juste pour clôturer le vlog. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout profitez de chaque instant de vie que Dieu vous donne.